Bonjour, bonjour à toutes, c'est Roland Vicky, on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World, le jeu pour la petite vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a enfin le Mosasaur ici? Oui, on a récupéré ce Mosasaur qui fait plaisir. Tac, on positionne ce nouveau Mosasaur et ce qui nous donne du coup la possibilité de, de faire un niveau 30. C'est quand même déjà pas mal. On va faire ceci déjà pour faire passer au niveau 20. Hop, hop. Et comme ça, on aura deux niveaux... Attends, quoi? J'ai un doute. 20, 20, ça fera... Ah, mais non. On peut déjà faire un 30 avec 20, 20. Et là, on a un 20, il nous en manque deux. C'est bon, ouais, j'ai eu un doute. J'avoue qu'il y a eu l'inquiétude, mais c'est bon, les deux arrivent ici. Et ici, notre petit glyptodon qu'on est en train d'améliorer pour aller chercher le prochain... hybride! Bien évidemment. Et là, on est au max, du coup. On va récupérer ça. Parfait. Alors, information intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité de récupérer un super hybride. Ici, tac. Et si je dis pas de bêtises, c'est le Dimetrocarnus. Si je dis pas de bêtises. Pardon, voilà, c'est ça. On est bon au niveau Dimetrocarnus. Ce qui nous permet d'avoir, du coup, Dimetrocarnus... je crois on en a un 20 et plus un 10 quoi. Si je dis pas de bêtises, on va aller regarder ça. Ah non, j'en ai un seul niveau 10. Ah du coup je vais l'avoir niveau 20. Oh, ça va fortement monter la puissance ça. Le Dimetrocarnus qui est de retour. Pas mal du tout ça. Ça, ça fait plaisir. Et en échange, on va dire, puisque bon, j'ai récupéré un nouveau... voilà. J'ai lancé Tupandactylus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas si loin de l'avoir. C'est 217 Pelecactylus. Ça coûte, je crois, si je dis pas de bêtises, au marché 500. Et Pelecactylus. Comment? Pelecactylus, on en a un seul. pardon, excusez-moi, j'ai la gorge qui chatouille. On en a un seul, mais ça nous en fera un niveau 20 du coup. Niveau 20 qui va nous amener à environ, ouais, 1800-500. Enfin, c'est niveau 21, mais bon, ce sera globalement ça, quoi. Ce sera du 1500. Donc, il servira pas à grand chose. Mais, au niveau 40, tiens, ça peut être intéressant, on va voir ce qu'il faut au niveau 40. Au niveau 40, 27864. 27864, si je regarde ici. Tac, tac. 27864. Il va être à peu près ici, quoi. Hein. Non, il va être un cran en dessous, je pense qu'il sera dans les environs là. Donc c'est pas incroyable au niveau 40, mais c'est déjà ça. On prend avec plaisir, tout simplement. On a donc, vous l'avez vu, un tournoi qui démarre dans une heure. Mais le souci, c'est que je sais pas où il est ici. Ah, il est là. Baguerre-Peton. Baguerre-Peton. J'ai l'impression qu'on a eu ce tournoi il y a pas longtemps, d'ailleurs. Baguerre-Peton qui nous permet de faire... le Baguerrosaurus, sauf que j'ai déjà le Baguerre-Peton. J'en ai même deux. Du coup, on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on va le chercher ou pas? Je sais pas si j'aurai le temps ce week-end de faire le tournoi. Du coup, nous verrons bien. Mais l'important, qu'est-ce que c'est? L'important, c'est d'avancer. Ah, j'ai fait un échange 30 millions de nourriture, je crois, contre 20 millions de... Non, 30 millions d'or contre 20 millions de nourriture. Et on peut faire un gros échange ici, je vais le faire en vrai. Parce que 4200 ADN, bah, ça fait toujours plaisir. On va pas se le cacher. Tac, on récupère ceci. 9,5 millions. Allez, vas-y, on y va. Et on se fait plaisir. On a plus de sous. Aïe, 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 on a plus de sous. Comment on va faire? Comment on va faire alors qu'on a plus d'argent? Mais c'est pas un souci. C'est pas un souci. On peut récupérer un petit peu ce qui traîne là, même s'il n'y a pas tant que ça au final. Hein. Et on peut toujours récupérer un peu ici si jamais il y a besoin. Et comme de toute façon il n'y a pas besoin, eh bah tout va bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tac! Et ici, parfait. Et je vous montre, du coup, on est à 7080. Ce qui veut dire qu'on n'est plus qu'à. C'est 7250 pour le compi. Qui fait plaisir, tout simplement. Très bien, très bien. Donc voilà, on a le Dimetrocarnus qui est en train d'arriver au niveau, au niveau suivant, hein, niveau 20. Ça, ça fait quand même très très plaisir. Et on s'est lancé sur le Pelecactylus. Voilà, voilà.
Le SADN du Vélociraptor, c'est 2000 à chaque fois. On est à 955, sachant que je rappelle, l'Indoraptor est fini et passé niveau 40. Enfin, on l'a pas niveau 40, mais on a ce qu'il faut pour l'avoir niveau 40. Donc les prochains SADN de Vélociraptor seront pour l'Indoraptor Gen 2. Voilà, voilà. Donc ici, on a nos deux niveaux 30 et on a l'Indoraptor Gen 2 qui, je sais pas au niveau ce qu'il est d'ailleurs, l'Indoraptor Gen 2. Parce que je le vois quelque part, pas du tout. Je l'ai mis où, l'Indoraptor Gen 2? Non, c'est en... J'en ai un seul niveau 10. Mais qui est déjà à 6700-2100. C'est vrai que c'est fort. Oh là, c'est vrai que c'est fort. Donc on va en avoir un deuxième niveau 10 qu'on fera passer niveau 20 dès qu'on l'a. Et je pense que je ferai passer l'Indoraptor niveau 40 quand on aura un Indoraptor Gen 2 niveau 20. Je pense que c'est pas mal comme idée. Parce qu'on sent qu'il y a quand même besoin. On va se faire quelques combats. En attendant, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit peu d'ADN. Écoutez, moi je suis pas contre. Et l'Asmotherium ne fait pas d'hybride. On va regarder ça vite fait. Ça va là. Et l'Asmotherium. Il est là. Allez, hein. Ah si, il fait un hybride. Ah oui, il fait le Mammotherium. Il fait le Mammotherium qu'on a déjà, de toute façon. Donc, Et la Snoteria, bah, on en a plus. Ok. C'est pas vraiment un problème. Donc on va faire le combat ADL. Ça nous plaît. Ça nous plaît de faire ce petit combat. On va pas envoyer du trop fort, comme ça si je peux lancer. À côté des petits combats. Tiens, mais j'arrive pas à l'envoyer. Une Aizori, ça coûte 300 000. C'est un peu cher le combat. Pas sûr qu'on ait les moyens pour le faire. Mais voilà, en fait, c'est vrai que ces derniers temps, on fait beaucoup moins de vidéos Jurassic World de choses. On va en recommencer à en refaire un peu plus. Mais du coup, ça m'a permis de ce début de vidéo, de vous mettre une petite mise à jour de les projets. Voilà. Donc là, Dimetro Carnus est dans la poche. On est sur le prochain super hybride Pelecactylus, niveau 20, du coup. Et ok, ça me tourne bien. Et c'est vrai que j'aurais pu perdre là-dessus. Ça passe. Ça passe. Et du coup, au niveau de l'hybride, pas super hybride, mais de l'hybride, bah de toute façon, on est en train de faire le Mosasaur Gen 2. Niveau 40. Voilà, voilà. Vous voyez le Dracoceratops, tiens, on l'envoie pas souvent. On se fait plaisir. Tiens, on n'est pas en accéléré. Dracoceratops. 996, pardon. On va charger. Est-ce qu'il va directement mettre des dégâts? Non. Ça, c'est pas mal. On va encore charger. Et on espère que ça va... Il peut nous tuer, là. Et il nous tue pas. Parfait. Donc, nous, on peut tuer à coup sûr. C'est excellent. Le combat est réussi. Bien joué. Très très bien joué. Rappel, information aussi importante. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs, si jamais. Hein. Si jamais vous jouez au jeu une fois de temps en temps. Et que vous jouez pas trop régulièrement. Il va y avoir les récompenses de pack. Enfin, les récompenses de pack sont en train d'arriver. Du coup, dans vos actus ici, vous avez des petites récompenses. Faut pas hésiter à y aller. Les récompenses pour l'instant sont pas énormes. Mais faut pas hésiter à vous connecter pour aller récupérer les récompenses. Parce que ça fait toujours plaisir. Hein. On va envoyer un petit tyrannolophosaure. Le petit tyrannolophosaure, je pense qu'il peut me tuer en deux, mais on va prendre le risque qu'il attaque pas. Il n'a pas attaqué. Est-ce que moi je prends le risque d'attaquer? J'aurais pas dû. Je vais mettre le parade. Bon, du coup, il avait mis double parade. Ça nous arrange pas les masses ce qui se passe. On met nos trois parades. Est-ce qu'il va attaquer? Oui. Et du coup on tue puisqu'il n'y a qu'une seule parade et qu'on a quatre actions. Parfait. Bon, il a même pas mis de parade d'ailleurs. Excellent le joli. Ça, ça passe. Et au niveau billets, vous voyez, on est à 11 200. J'en ai clairement jamais eu autant. On l'a clairement jamais eu autant.
Je vais envoyer. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas si souvent que ça Pour être sympa à utiliser. Tiens, le Chromaspinus, pourquoi pas? L'espèce du tournoi précédent. Coûte 80 000. Ah, 89 000 d'ailleurs, je crois. Bon, bref. C'est pas très grave. Le prix. Deux actions. Ah ouais? Bah, ça nous offre la victoire directe, ça. Eh, parfait. Et boum, 2642. C'est du GG. Ok. Et le dernier. Petit combat où on va s'envoyer. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer Bah tiens, un Pelecactylus puisqu'on est en train de le faire pour passer niveau 20. Pourquoi pas l'envoyer? On charge. Tatatin. Plus de son. Plus de son. Une parade. Je vais pas prendre le risque. Je vais mettre deux charges et une parade de mon côté. Il peut nous tuer. Aïe, il nous tue. Et bien le Pelecactylus qui est en train de... Enfin, qui est en train... Qui a perdu ce combat, malheureusement. C'est un échec. Qu'est-ce qu'on peut envoyer d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre éventuellement? Qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer? Ah bah tiens, Blue, pourquoi pas? Et c'est vrai que Blue aussi, on pourrait le faire passer niveau, niveau 20. Il y a beaucoup d'espèces à améliorer en vrai. Je prends le risque. Perdu. Quand la musique s'éteint, c'est qu'on perd, c'est ça? J'y vais. Let's go, Blue qui bat Blue. I'm Blue dabadi dabada. Et dabadi dabada. Parfait, ça. Petite récompense moisie ou récompense intéressante? Récompense à moitié moisie. 150 ADN, c'est pas folichon, hein. Clairement, mais bon, on prend prêt. Parfait. Donc voilà, vous avez les informations. Nous sommes en train de faire le... Ah bah tiens, je vais améliorer. Allez, ça fait plaisir. Oh, c'est bêta ça. Blue. Blue. Évolution de Blue. Hop. Ça nous coûte 100 ADN. Enfin, 100 billets, pardon. Mais on fait la petite amélioration de Blue. Et du coup, voilà, on est en train d'aller chercher ça, là. Hein, le Mosasaur Gen 2 qui arrive dans 1 jour et 4 heures. Pour faire, je rappelle du coup, l'hybride ici, Armor Mata, parce que le Nodosaur est prêt, on n'a plus qu'à aller chercher le Mosasaur. Et nous sommes en train de préparer le Glitronax avec Litronax et Glyptodon, puisque le reste, bah de toute façon, en non carnivore, je ne peux pas. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait le tournoi Edaphosaur. Peut-être la semaine prochaine, ce serait bien. Tournoi Edaphosaur la semaine prochaine, ça nous permettrait d'aller chercher ce Bagheerosaurus. Qui ferait quand même plutôt plaisir. Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire l'Ostaf Serapsis aussi. Mais bon, on est parti sur le Glitronax. Donc allons sur le Glitronax. Tout simplement. En tout cas, Dimetrocarnus qui arrive au niveau 20. Et ça, ça fait quand même très plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Harlequin du coup sur Jurassic World le jeu. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous à tous. Et à la prochaine. Allez, ciao.